Alors, le succès d'une campagne vidéo, en fait, ça va se jouer à plusieurs niveaux. En fait, il y a bien sûr la vidéo, il faut qu'elle intéresse l'internaute. Donc, il faut qu'elle soit complémentaire, si on utilise plusieurs médias, qu'elle soit complémentaire à ce qu'on aurait pu voir, par exemple, sur des médias en offline. Parce que si on utilise exactement la même chose, ici, ça a déjà été vu. Finalement, la campagne risque de passer inaperçue au niveau du digital. Et l'autre niveau, ça dépend aussi si la campagne vit seule ou si elle vit, avec d'autres médias. Et si elle vit seule, il faut qu'elle interpelle surtout l'internaute pour qu'on fasse vivre cette nouvelle expérience, ou l'expérience en tout cas qu'on veut essayer de faire vivre à l'internaute. Ce qui est aussi intéressant sur une vidéo, c'est qu'il faut se mettre aussi à la place de l'internaute. Il faut savoir que l'internaute, quand il surfe, il ne passe pas 2 heures forcément sur chaque page. Donc pour moi, la vidéo, il faut qu'elle soit assez courte. Ou en tout cas, il faut que le message principal passe dans les premières secondes pour pas qu'on passe à côté du message. Voilà, ça c'est aussi un des points importants pour qu'une vidéo fonctionne bien et qu'on ait des bons résultats par la suite. Encore une fois, ça dépend aussi des objectifs de la campagne. Soit vous êtes sur une campagne, on va dire, de visibilité pure et dure. Et donc, ce qui va vous intéresser, c'est éventuellement le taux de complétion, ou si vous achetez une vidéo vue à 100%, là, votre KPI est assez facile, c'est le nombre de vues à 100%. Maintenant, quand vous achetez pas donc par exemple le TrueView de YouTube. Maintenant, quand vous achetez au CPM, ce qui est intéressant de voir, c'est le taux de complétion. C'est-à-dire le nombre de vidéos qui sont lancées et celles qui ont été vraiment vues jusqu'au bout. Et donc, et le taux de complétion moyen en France, je crois, il est où? Alors, ça dépend des campagnes, nous, peut-être autour de 17-18%. Si on est au-delà de cette moyenne, ça veut dire qu'on a bien fait le job, par exemple. Voilà, et donc nous, en général, on a de la chance sur Canal+, on a souvent des bons taux de complétion parce qu'on a des vidéos qui ont l'air de plaire, en tout cas, aux internautes, et ou à la cible, en tout cas, qu'on cherche à viser. Est-ce qu'on a du retard par rapport aux États-Unis, par rapport au niveau d'achat de la vidéo en France? Je pense que oui. Maintenant, il y a plein de nouvelles plateformes qui arrivent, qui sont intéressantes sur l'achat vidéo. Par exemple, je pense à des plateformes comme Piximedia qui s'est lancée et d'autres qui nous permettent de jouer à la fois sur ce côté branding, sur ce côté engagement. Je pense qu'on rattrape, et voire même certaines nouvelles plateformes vont même prendre de l'avance. Et d'ailleurs, la preuve, ils s'exportent à l'étranger. Et ça, c'est plutôt bon signe. Voilà, je pense à eux, je pense à ce qu'avaient pu développer les Bizik à l'époque, avec maintenant qui ont été rachetés par Paris Buzzing. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses qui se font et de façon assez maligne, qui peuvent à la fois assurer et l'annonceur et l'internaute.